Si ça a du bon sens, une température pareille, 3 jours, ça dure. Les baleines de mon parapluie peuvent bien sortir. On se croirait en plein déluge. Ouais, pour moi, ça, c'est un châtiment du ciel pour laver les crimes de la terre. Faut bien être obligé de sortir. Ben oui, j'arrive. J'espère que tu m'as pas fait un dégât comme hier, toi, là, hein? Et que j'aille ça quand tu me fais ça. Attends, toi, tu perds rien pour attendre. Comme de fait, il m'a fait un dégât. Tu pouvais bien te sauver, mon crapaud. Tu te penses bien en sécurité, là, dans la cave, hein? Mais je la connais, ta cachette, hein? Puis tu vas voir que je suis encore assez alerte pour t'attraper. Ah! Oh! Dieu du ciel! Mais qu'est-ce que c'est ça? Et Seigneur, comment ça se fait que ça marche pas, donc? Maman, comment tu fais? Oh, Robert, va jouer, là. Bon, ben, bye, maman, je m'en vais, là. Hein? Comment ça? Où tu vas encore? Ben, au centre, cette affaire. Ah oui, c'est vrai, ton cours de natation. Ben non, aujourd'hui, c'est pas un cours. Tu sais, je passe mon niveau dauphin. Ah, c'est aujourd'hui, ça? Maman, hey, tu vas-tu faire quelque chose de spécial quand je vais revenir? Caroline, elle, ils vont y faire une fête chez eux. Caroline, c'est pas pareil, eux autres. À part ça, tu me prends à la dernière minute, là. Comment est-ce que tu veux? Je te l'ai dit, ça fait longtemps. Ben, je l'avais oublié. Ça se peut oublier quelque chose, bon. À part ça, c'est pas sûr que tu vas le passer, là. Je suis pas pour... Oui, c'est sûr. C'est facile. T'as pas vu ça, toi, comme je suis bonne. Maman, je vais prendre mon bain. Oh, ben toi, hey, laisse-moi tranquille avec le bain si tu penses que j'ai le temps de te surveiller, là. Oui, je veux faire un dauphin comme Sylvie. Non, pas de bain. Je veux faire comme Sylvie. Robert, j'ai dit non. Tu vois, tu devrais pas le dire devant lui quand tu vas à la piscine. Ça y met des idées dans la tête. OK, d'abord. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose de spécial? Hein, Sylvie? Réponds-moi donc, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose de spécial? Rien, je dis ça de même, je veux rien. Bonjour. Quelque chose de spécial. Oh, que c'est compliqué. Ouais, t'es belle, là, hein? Je te dis que t'as l'air fine. Oh, t'es pas drôle. Ouais, t'as bien l'air bête. Je suis en retard. Ben non, t'es pas en retard. Je suis en retard, comprends-tu? Je me suis levée avec un mal de cœur ce matin, là, puis ça m'a pas lâché. Je me sens tout à l'envers. Hey, tu vas pas recommencer, là. Depuis que t'as ton stérilet, tu capotes à chaque fois que t'es en retard de 2 minutes. Ben quoi? C'est pas garanti à 100% cette affaire-là. Linda, il est arrivé la même chose le mois passé. Non, là, c'est pas pareil. Je le sens, comprends-tu? J'ai comme un pressentiment. À part de ça, le mois passé, là, j'avais pas mal au cœur. Là, j'ai mal au cœur. Ben, c'est peut-être rien qu'une indigestion. Ben, qu'est-ce que t'as mangé hier soir? Du porc frais. Je t'ai souper chez maman. Ben, pose-toi pas de questions, c'est ça. Ben, à chaque fois que... J'étais en retard avant de manger du porc frais. Ça marche pas, ton affaire. Non. Ouais, pour moi, tes petits de la garderie ont dû passer par là aujourd'hui. T'es... Non, mais ça a passé proche. Putain, regarde ça. C'est le fun, d'abord. Une grosse tache de chocolat sur mon gilet neuf. Ouais, tu ne m'as pas été habillée aussi. Mais j'ai pas eu le temps. On est juste de rentrer. J'ôte mon manteau, je me retourne, puis paf! Le petit Denis, là, vient se coller sur moi, puis il m'écrase son biscuit. Bon, je te dis que lui... Mais oui, mais il t'aime. Oh, colle-moi pas, j'ai mal au cœur. Excuse. J'aurais dû m'en aller chez nous. Je suis pas du monde aujourd'hui. Oh non! Regardons, là. Je suis tout en train de mouiller ton plancher avec mes bottes. Je vais aller les mettre dans le couloir. Hey, je t'ai pas dit ça. J'ai vu la madame qui reste en face. Qui ça? Ben, la madame qui reste dans l'appartement en rentrant. Ah, Mme Bourrette. Es-tu bizarre? C'est une vraie apparition, cette femme-là. Ah, maman! Oui, puis quand je vais vous dire ce qui se passe, vous allez encore plus vous ennuyer de votre mère. Qu'est-ce qu'il y a, Mme Bourrette? Ah, c'est épouvantable. C'est un cataclysme. Un cataclysme? Comment ça, un cataclysme? Où ça? Pas plus loin que dans le cave, c'est l'inondation, mon cher. Ah!
une vraie piscine olympique. Puis comme la cave en pan, ben c'est nos cajibis qui sont les malheureuses victimes. Hein? Le mien, le tien, celui de Madame Poisson, là, puis celui de Réal Pouliot. Bon, ben on va aller voir ça, Madame Bourrette. Mais c'est le mien qui a l'air le plus affecté. Hein? Oh, je m'attends au pire, je m'attends à une perte totale. Bon, ben moi, allez voir, là. Mais moi, là, je suis à la prise, hein? Tu comprends qu'avec mon arthrite, je peux pas aller m'exposer à l'humidité. Ben, y a pas de problème, Madame Bourrette, mais on va m'en occuper de vos affaires. Ben non, ça a pas de bon sens, ça a aucun bon sens. Mais si tu fais ça, là, sache que je vais t'en être redevante éternellement. C'est correct. Ah, puis il y a Madame Poisson qu'il faudra absolument avertir pour qu'elle sorte ses effets. Mais c'est au deuxième, l'appartement 6. Moi, à cause de mes jambes, vous comprenez? Ah, ben, pas de problème. Je vais aller voir dans la cave avant que ça a l'air, puis je vais aller l'avertir. Oh, c'est bien fin de votre part. Hein. Dans des circonstances comme ça, hein, c'est naturel qu'on s'entraide les uns les autres, hein? Bon, ben, Dan, là, pendant que tu t'occupes de mon cajibi, là, moi, je vais aller appeler Madame Adams. Oh. Pour moi, va avoir tout un choc quand je vais lui dire que sa propriété s'en va à la dérive. Bon, ben, j'y vais. Lui aussi, il faudrait bien que quelqu'un l'avertisse à un moment donné. Mais moi, là, je peux pas me faire dans 10 ans. Non, 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 une chose à la fois, je vais commencer par aller appeler la propriétaire. Robert, je t'ai dit de pas toucher au couteau. C'est coupant, ça. Tu peux te faire mal. Laisse-le. Laisse le couteau là. Je veux couper. C'est pas à toi à couper ça, Robert. Bon, regarde ce que t'as fait là. Je veux couper. Bon. OK, d'abord, là. Coupe ces croûtes-là, mais après ça, c'est tout, OK? Moi, je coupais les croûtes, Ah, des chips! Ben oui, puis des petits cornichons sucrés, puis des gros cornichons salés. Bon, enfin! Quoi tu fais? J'ai mouillé un linge pour couvrir les sandwichs. Pour les casser? Faut casser les sandwichs pour la surprise. Ben non, c'est pas pour les cacher, c'est pour pas qu'ils sèchent. Pour pas qu'ils sèchent? C'est ça, quand on met un linge mouillé comme ça, ça empêche de sécher. Faut pas qu'ils sèchent avant la surprise, hein? Mm-hmm. Elle va l'être contente, Sylvie, hein? Elle va l'être contente quand elle va venir. Quand est-ce qu'elle va arriver, là, Sylvie? Ça sera pas long, mon pit, là. Laisse maman nettoyer la table, puis après ça, on va aller se préparer pour quand Sylvie va arriver. OK? Oui! OK, gars, maman. Quoi? Grosse maman cornichon, puis petit bébé cornichon. Ouais, t'es drôle, toi. Oh, c'est Sylvie, c'est Sylvie! Déjà? Ben voyons, ça se peut pas. Attends, là, attends! Surprise, surprise! Bonjour! Tu me reconnais pas? C'est moi, Linda, de la garderie! Ah, oh, Linda, rentre, on est dans la cuisine. Allô? Je garde Robert à la maison depuis quelques jours, là, parce que, ben... Oh, je vais pas pour ça! C'est parce qu'il y a une inondation dans le cave. Hein? Il faudrait que vous alliez sortir vos affaires, il y a bien de l'eau. Faut que je descende? J'y vais. Je vais y aller, là. Viens, Robert, on va dans la cave. Non. Mais comment ça, non? Commence pas à faire ton tenant, là. Envoie, il faut descendre, ça presse. Non. Je veux montrer ma chambre pis mes jouets. Mais tu sais bien que Linda a pas le temps, là. Envoie, viens. Oh, là. Non, non, ça me dérange pas. Allez-y, là. Je vais rester avec lui quelques minutes puis je vais vous le descendre. Hein? Vous feriez ça? Oui. Bon. Ben, OK, d'abord, j'y vais, là. Mais s'il vous achale, descendez là tout de suite, oh, hein? Oui, oui. Regarde, c'est pour la surprise. Oh! En veux-tu un petit bébé, toi? Hein? Veux-tu un petit bébé cornichon? Oh! Non. Non, j'ai pas faim. Oh. Bon, ben, j'ai assez perdu de temps à signaler, là. Elle est pas là, elle est pas là, c'est tout. Lui, il est là, par exemple. Puis il me fera pas à quoi qu'il est pas là. Bon, ben, je donne le grand coup. Oui, ouais, sa femme pis ses deux gorbins pis le planter là, c'est pas parlable, ben, quand même, c'est pas parlable. Quant à moi, là, ces cossins peuvent bien pourrir dans son cajibi.
Ah, c'est vous, ça. Ben, c'est parce que... Vous savez pas ce que c'est, vous, que de respecter le sommeil du monde, hein? Oui, mais Yolino... Aimeriez-vous ça que j'aille défoncer votre porte en pleine nuit? Vous aimeriez-vous ça, hein? Puis, je travaille la nuit, moi, madame. Puis le jour, j'ai besoin de récupérer. Comprenez-vous ça, là, hein? Ah, ben, ça fait que vous n'allez pas me déranger avec vos 36 niaiseries, OK? En tout cas, il pourra pas dire que j'aurais pas essayé d'y dire. Dan, s'il y avait moyen que tu remontes mes boîtes à chapeau, là, tu sais, des boîtes, là. Bon, il est déjà redescendu, lui. Puis dis-moi donc, vois-tu mon chat? Non, je vois pas de chat. Oh, toi, Timine, tu vas en avoir des coups de tapin. Tiens, du renfort. Si c'est pas mon beau petit Robert. T'as pas mis ton habit d'homme grenouille? Où elle est, Lou? Elle a. Mais vas-y pas, là. Maman, elle va descendre, là. Toi, attends-moi ici, OK? Non, veux y aller. Ah, ben non, là. On n'est pas pour t'avoir dans nos jambes. Oui, veux y aller. Regarde, moi non plus, je peux pas y aller, puis je pleure pas. Veux y aller, bon. Robert, tes souliers. Linda! Viens m'aider une minute. Oui, oui, je m'en viens. Oh, mademoiselle, vous occuperiez-vous de mes boîtes à ma poule? Et que c'est pas drôle d'être dépendante des autres. C'est beau, ça, Linda. Oh, c'est beau, ça, Dan. Tiens. C'est à toi, ça? Non, c'est à Carole, ça. Tu peux le mettre sur son tas. Oh, oui. Puis, comment va le parfait? Oh, Dan! Tu vas pas savoir un petit bébé? Ben, hein? Je le sais pas. Pourquoi tu me parles de ça, là? J'y pensais plus. Hey, lâche-moi! Hey, bébé! Hey, appelle-moi pas bébé! Oh, non! Regarde, Dan, c'est du linge de bébé! C'est un signe, ça. C'est un signe! Hey, dis pas ça! Oh, non! Regarde ça! Regarde les belles petites papas! Ah, c'est à moi, ça. Le toucher à rien, là. Je vais ramasser tout ça. Non, c'est-tu Robert, monte, là. Faut aller porter des affaires dans la maison. Non, joue avec le chat. Hein? Mon chat? Gros mine. Robert, viens ici, on monte, là. Je te le dirai pas deux fois. Gros mine, va-tu falloir que j'aille te chercher par le bout du... C'est fin, ça. Il y en a partout. Maman! J'espère que ça prendra pas 6 mois à sécher. Maman! Hey, maman, je l'ai eu, je l'ai passé. Mais d'où tu sors, toi? Comment est-ce que t'es rentrée? T'étais supposée sonner, on voulait te faire une surprise, Robert, pis moi. C'est ça, crie-moi de bêtises. Oh, excuse-moi, là. Excuse ma popoune, là. Pis, ça a bien été? Oui, je l'ai. J'ai passé mon dauphin. Bon, c'est correct, ça. Hey, regarde, ils m'ont donné un nouvel insigne pour mettre sur mon costume de bain. Ça va m'en faire 3. Puis après, je vais passer mon nouveau nageur, mes insignes étoiles 1 puis 2, puis ça va m'en faire 6. Hey, je vais avoir 6 insignes sur mon costume de bain. Tu vas être chanceuse, hein? Hey, tu vas me le coudre dans mon insigne? Ben oui. C'est quoi, ça? Hey! Hey, tu me fais une fête? Ah, c'est pas grand-chose. Oh! Oh, t'es fine! Surprise, Sylvie! Surprise! Robert! Mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai cassé les 6 pour pas qu'ils sèchent. Oh, non! Oh! T'es bien, nono! Pourtant, ça devrait pas être si difficile à voir des boîtes à chapeau. Vous savez que j'ai toujours pas réussi à rejoindre Madame Adams, hein? Ben, c'est comme ça quand un propriétaire reste pas ses dieux. C'est nous autres, les pauvres locataires, qui se retrouvent avec les problèmes ses bras. Oh! Dire que vous auriez pu m'échapper ça sur les pieds. Hey, coudonc, ça achève-tu la parade dans le passage, hein? On peut-tu avoir la paix, c'est un peu? Allez, Ned, tu ferais peut-être mieux d'aller vider ton locker à la place de crier. Qu'est-ce qui se passe encore, là? Ben, réveille. La cave est inondée. Y a personne qui m'aurait averti pour une terre, moi, là, hein? Ah ben, on aura tout entendu. Calvas, ma collection. J'ai de quoi qu'il vaut une fortune là-dedans, mais là, faut sauver ça au plus sacré.
Saint-Amour, dans ton prochain voyage, là... Pas question. Hey, écoute, regarde comment je t'habillais. On sait bien, toi, tu travailles dans les valets service. Ça te coûte rien faire nettoyer tes culottes, mais moi... C'est pas mon problème, ça. T'as rien qu'à aller te changer. OK. OK. OK, tu te charges l'ouvrage, ton valet service? OK, m'a t'en donné de l'ouvrage, moi. Ah, ben, il est mal placé pour rire du travail des autres, lui. Nargué, un petit jeune homme qui a eu le courage de retourner au cours du soir, c'est honteux. Il perd rien pour attendre. Dan va monter, ce sera pas long, puis c'est Pouliotte qui va finir dans le ruisseau. Mais, madame Bourrette, c'est à vous, ça? Oh! Oh, mon Dieu! Ah, ben, je comprends que c'est à moi. Oh, là, toi, tu tiens quelque chose, hein? Si tu savais, si tu savais... J'arrive dans 2 minutes, je vais aller à l'épicerie me chercher de l'eau minérale. Oh, j'espère qu'il n'y a pas d'eau qui est rentrée là-dedans. Hey, c'est pas des farces. Il y a des vraies pièces de collection là-dedans. Il y en a qui est bon jusqu'à 1952. Hey, ça a plus de pluie, ces affaires-là. Dieu du ciel! Hey, regardez pas ça, vous, là. C'est pas de votre âge. Vous êtes encore là, vous? C'est fini, madame Bourrette. Il n'y a plus rien en bas, j'ai tout à remonter. Faut boire, ta chapeau sont sauvés, là. Je les ai mis devant votre porte. Vas-tu t'ouvrir? Oh, je vais t'avoir. Hein. Je vais t'avoir, mais bonjour. Salut! Ouais. Tata? Ah! Oh, venez voir ça, là. Ah oh, oui, vous autres, vous avez été assez fin pour moi aujourd'hui. Vous méritez bien une petite récompense. Tenez, regardez ça, là. Les triplettes binettes. Ça vous dit quelque chose? Ben non, vous êtes trop jeune. Mais c'était mes cousines, hein? Je suis une binette, moi. Bourrette, c'est mon nom de femme. Ah, oh, je vous dis si... Ça, là, l'histoire des jumeaux, c'est héréditaire, vous savez. Cléa, l'autre sœur de papa, là, en a eu des jumeaux, 2 garçons. Oh! J'ai jamais vu 2 caractères si différents, hein? Le jour et la nuit. Vous... Est-ce qu'il y a des jumeaux dans votre famille? Oh, non. Non, non, je pense pas. Moi et ma mère, une sœur jumelle. Tu me dis pas! Oh. Excusez, je me sens pas bien. Ben, lave-lotte, Léa, la mère des jumeaux. Elle a l'air d'une bonne vivante. Pas le droit, ce qu'elle a. Elle s'en faisait pas avec rien. Oh, il y avait rien à son épreuve. Oh, je vous dis que ça riait dans ce maison. Linda, t'es ridicule. Bon, je suis ridicule. Je suis ridicule maintenant. Traite-moi donc de niaiseuse, tant qu'elle y est, hein? Penses-tu que j'ai envie d'avoir des enfants avec un gars qui me traite de niaiseuse? Linda, c'est pas ça que je dis. Pourquoi est-ce que tu m'as jamais dit qu'il y avait des jumeaux dans ta famille? Pourquoi? T'aurais pu m'avertir. Mais il n'y en a jamais été question. À part de ça, tu dis toujours que tu veux pas avoir d'enfants. Moi! J'ai jamais dit ça. J'en veux. C'est juste que, tu sais, j'aimerais ça pouvoir choisir. Décider quand. Pas me retrouver du jour au lendemain avec des triplettes ses bras! Des triplettes, hey, t'exagères. Y a pas de triplettes dans ma famille. À part de ça, t'es même pas sûre si t'es enceinte. Ça fait qu'arrête de t'énerver. Ouais. Facile à dire, ça. C'est pas toi qui vas se retrouver avec un gros bedon. Oh. Tu serais assez belle. Je serais belle. C'est pas tout d'être belle! Faut l'élever après ça! Ta couche, pas capable. Rien qu'à la garderie, là, je passe mes journées à me revirer à l'envers. Faut-tu faire ci, faut-tu faire ça? Faut-tu dire oui, faut-tu dire non? Là, je me trouve trop fine, pas assez. Ça finit plus. Je te dis que si j'en ai un, là, j'ai pas fini de m'inquiéter. J'en ai pour 20 ans, sinon plus, à changer des couches puis à soigner des rougeoles. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non, c'est pas vrai. Quoi? C'est le petit Denis. Tu sais, le biscuit écrasé. Mm. Il voulait me montrer son dessin, puis j'avais pas le temps. Fait qu'il l'a caché dans mon sac. Regarde. Regarde s'il est beau, son dessin. Regarde la petite bébête, là. Puis regarde le minou.
bien fin. C'est pour ça que tu pleures. Dan, on reste même pas ensemble. On n'est pas pour faire un bébé. Ah, ça, c'est toi qui veux ça. Qu'est-ce que tu fais? J'étends la tente. Faut la faire sécher, sinon elle va moisir. Ah non. T'as raison, on n'est pas prêt à avoir un bébé. Pas prêt, pas prêt. Si on dit toujours ça, là, on fera jamais rien. Bon, ben, t'en viens-tu, Sylvie? On monte, là, nous autres. Non, non, attendez-moi. T'es contente, là? Tu l'as vu, c'est ça, l'inondation. Moi, je pensais que j'en aurais jusque-là. Il y en a. Il y en a même pas un mètre. Oh! Oh, pauvre Timine! Oh, Timine! Oh, Sylvie, va le porter à Madame Bourrette. Elle a assez cherché. Moi aussi, je veux lui donner son chat. OK, là, allez-y, toi et deux, mais restez pas trop longtemps, hein? Non, non, c'est pas nager, lui. Ben non! Hé, hey, Robert, regarde. Tu grattes, hein, là. T'as miaulé un coup, là. Je sais pas ce qui me retient de pas t'ouvrir. Sais-tu ce que tu mériterais, là? Tu mériterais de coucher dehors à puis le bâton. Dis pas non, c'est oui. Bon, 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 faisant pas une maladie. De vous autres. C'est nous autres qui faites ça. Gratte, gratte, miaou. Mon doudou. Mais regarde les dents, lui. C'est puis un chat que j'ai là, c'est un rat. Des plans pour attraper son coup de mort. Vite, rentrez-moi là, là, au chaud. Okay. Rentrez, rentrez. Tiens, pensez-vous qu'il sera pas bien, là? J'avais raison en d'y tenir. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, ça pourrait être commode des boîtes à chapeau. Sylvie, Sylvie. Faudrait pas que personne rentre ici ce soir pour la première fois. On passerait pour des vrais fous. Linda? Linda? Linda, ça va-tu? Oh oui. Coudon, il manque plus rien que le feu de camp, c'est dedans. OK, on va attendre d'être sûr avant de s'en faire. Non, c'est sûr. Peut-être qu'on se poserait trop de questions. Peut-être que je serais pas le père idéal. Peut-être que tu serais pas la mère idéale. Mais c'est-tu bien, bien grave, ça, après tout? Et c'est peut-être la plus belle affaire qui nous est jamais arrivée. Ben, justement, ça nous arrivera pas. Hein? Je suis plus en retard. T'es mince. Ouais, t'avais raison, c'était le port frais. Ben, c'est peut-être mieux comme ça. Comme on dit, à un moment donné, on pourra se reprendre. Ah oui, ah oui, ça, je compte sur toi là-dessus. Je sens que le mois prochain, là, tu vas m'arriver avec le même petit scénario. Oh, Dan! Y a-tu bien les yeux verts dans ta famille? Y en a plein. Ah. Tu vois? On aurait pu avoir un petit bébé aux yeux verts. Ah, dis pas ça, j'ai le goût de broyer. Inquiète-toi pas, broye tant que tu veux. J'ai monté le pneumatique, là. On a juste à mettre la tente par-dessus, puis pfft! On a une vraie petite arche de Noé. Hey, nous vois-tu, toi, avec des triplettes aux yeux verts sur ton arche de Noé?